Bonsoir à tous. Et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et je rends grâce à Dieu et aussi au Père Francis Végoux de m'avoir proposé de parler de notre plus grand trésor des Mexicains. C'est la Vierge Marie qui est apparue au Mexique. Est-ce que vous entendez? Non, vous entendez pas. Je m'assois. Allez. Là, vous m'entendez mieux? Oui. Bien. Là, je vais vous parler, vous faire un partage sur ce que moi, en tant que Mexicain, j'ai pu vivre de la spiritualité avec Notre-Dame de Guadalupe. Je vous donnerai un contexte historique aussi, et dans l'objectif de mieux connaître Marie pour mieux aimer Marie. Alors, au Xe siècle, un peuple descendait du nord. Et ce peuple descendait du nord, du continent américain, et ils sont venus s'installer dans le territoire qui est le Mexique. Donc, à peu près vers 1300, ce peuple-là, dirigé par le roi Tenoch, ils ont fondé une ville. Ils ont appelé cette ville Tenochtitlan, Tenochtitlan. Et cette ville, ils l'ont fondée, elle a été bâtie sur un lac. Le signe qu'ils ont vu, c'était l'endroit où une aigle dévorait le serpent, et cet aigle était posé sur un cactus. C'était, disons, la vision que ce roi Tenoch a vue. Et qui, pour lui, c'était un signe qu'il devait construire cette ville-là. D'accord? Une aigle dévorant un serpent sur un cactus. Ce qui est devenu ensuite le drapeau mexicain. Il est comme l'italien, mais au milieu, il a ce symbole que vous voyez, un aigle dévorant un serpent sur un cactus. Alors, si je vous parle un tout petit peu plus de cette ville, le Tenochtitlan, les récits des Espagnols témoignent de cette merveille qui était cette ville. Elle était construite sur un îlot au centre du lac, et en fait, la ville s'étendait par des piliers qui mettaient, et en fait, la ville, elle était flottante. À l'aide des piliers, en fait, bien sûr. Et on pouvait arriver par des couloirs, et ces différents couloirs, chaque couloir, on pouvait aligner 10 chevaux dans chacun des couloirs, des 4 couloirs qui connectaient la ville au continent, enfin au continent, au bord du lac. Donc, c'était la capitale des Aztèques, et ils ont utilisé une grande technologie d'hydraulique, les chinampas. En fait, ils ont appris à cultiver la terre par des jardins flottants. C'est-à-dire qu'ils utilisaient, ils n'avaient pas besoin d'irriguer, d'arroser, parce que, en fait, les plantes, elles étaient semées à hauteur du lac. Donc, du coup, la plante tirait ce dont elle avait besoin, directement du lac. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et les digues, finalement, ce sont les colonnes en bois. Qui tenait l'ensemble de la ville. Ah, toujours pas. Ok, c'est mieux comme ça. Bien. Donc voilà une image qui essaye de retracer comment ils ont fait pour bâtir cette ville au milieu du lac. Donc voilà, c'est ce que je vous expliquais. Tenochtitlan s'est développé et au 16e siècle, il comptait déjà 700 000 habitants. Donc c'était une des plus grandes villes du monde déjà à l'époque. Elle faisait en surface 10 km carrés, donc 10 km par 10 km. Et elle était divisée en 4 arrondissements autonomes, chacun avec un temple, un gouverneur, des commerces, etc. Alors, ce peuple, ils avaient des grandes avancées aussi en astronomie. Donc, ils étaient très attentifs aux phénomènes et ce qui leur a permis de créer un calendrier.
Alors, certains pensent que ce calendrier aztèque, en fait, c'était davantage une importation d'autres calendriers, par exemple le calendrier maya, qui est très semblable. Pourquoi? Parce qu'il correspond à 260 jours et ces 260 jours correspondent aux deux occasions où le soleil est au zénith. Mais en fait, ces dates-là, 30 avril et le 13 août, à ces deux occasions, cela correspond à la latitude 15 degrés nord, qui est en fait les Mayas. Donc très probablement, le calendrier aztèque s'était inspiré des Mayas. Alors la religion, c'est une culture polythéiste. Avant l'arrivée des Espagnols, ils adoraient deux divinités, une divinité bonne, Quetzalcoatl, et une divinité, disons, violente, Tezcatlipoca. Alors, Quetzalcoatl, c'est le premier, il était représenté par le serpent emplumé. En fait, c'était leur vision de l'homme, c'était la partie corporelle, matérielle, et les plumes désignaient la partie spirituelle. Donc, eux, ils étaient déjà convaincus de la spiritualité. C'est un peuple naturellement spirituel. Tezcatlipoca, en fait, c'était une divinité qui exigeait des sacrifices humains pour assurer toute l'harmonie de l'univers. Donc, les Aztèques, ils étaient divisés. La plupart des Aztèques, ils adoraient cette divinité, Tezcatlipoca, mais beaucoup d'autres tribus au Mexique, ils adoraient le dieu bon, Quetzalcoatl. Donc, les Aztèques, ils étaient très forts. Leur armée, ils étaient esclavagistes, c'est-à-dire qu'ils avaient soumis les tribus qui étaient autour d'eux. Et en fait, ils prenaient des prisonniers pour les sacrifier à leur dieu. Donc, très concrètement, ils leur arrachaient le cœur. Voilà, ils arrachaient le cœur ouvert. Voilà. Alors, les sacrifices humains aussi, c'était pas nouveau. Par exemple, l'Empire romain, il faisait aussi des sacrifices humains. Donc, aussi à Rome et même ici en France, il y avait des sacrifices humains aux divinités. Il y avait des ablations, enfin. Il y avait des personnes qui offraient leurs enfants aux dieux païens, Mars, Vénus, Jupiter. Donc, c'est pas un monopole des Amériques, pour que vous le sachiez. Vous le savez déjà. Et alors, un prêtre, Seacatl-Topiltzin, c'était un des grands prêtres du bon, Quetzalcoatl, et lui, il sacrifiait des animaux et pas d'humains. Il est représenté avec une barbe et il menait une vie chaste et vertueuse et il a permis son retour en 1519. Alors, certains pensent que c'était déjà un Européen qui est arrivé au Mexique. Parce que vous savez, les Mexicains, les Aztèques et tous les indigènes n'ont pas de barbe. Donc, les historiens sont très surpris par rapport à ça. Qui est ce personnage-là qui est représenté avec une barbe blanche. Donc probablement c'était déjà un viking, on sait pas qui aurait pu bien être, mais il venait, il se disait prêtre de Quetzalcoatl, de la bonne divinité. Et justement comme la prophétie de cette personne, avant 1519, en 1492, on a l'arrivée de Christophe Colomb. Il est arrivé en trois bateaux, carabelles, et la Niña, l'enfant, la Pinta, qui veut dire dessin ou peinture en fait, et Santa Maria, qui veut dire Sainte Marie. Et en fait, pour certains, ils voient déjà une certaine prophétie de ce qui allait arriver, que l'enfant, Sainte Marie, allait être peinte, dessinée, son image, l'image que vous avez reçue. En 1519, conformément à la prophétie de Seacatl-Topiltzin, Hernán Cortés arrive. Hernán Cortés,
il vient de l'Espagne et il est reçu comme un roi. Et tous les Espagnols, ils ont été bien reçus jusqu'à l'Empire aztèque. Mais alors, les Espagnols, ils font constat des sacrifices humains et en fait, ils sont scandalisés par rapport à ce qui se passe et avec raison. Et donc, du coup, ils vont mener une guerre aussi pour mettre à bas cet empire, l'empire aztèque. Et ils vont s'allier, bien sûr, avec toutes les tribus qui étaient dominées par ces tribus aztèques. Et c'est grâce à l'alliance entre les tribus dominées et les Espagnols qui vont venir mettre à bas le roi aztèque. Alors, 10 ans après cette bataille, les événements dont on va parler arrivent. Alors, tout d'abord, je vais vous parler de la personne à laquelle Marie va s'adresser. C'est Juan Diego Cuauhtlictáxin. Difficile, je n'arrive pas à prononcer correctement. Et alors, lui, sa fête, c'était il y a 2 jours, le 9 décembre. Son Cuauhtlictáxin, en fait, littéralement, il veut dire l'aigle qui parle. Il est né en 1474. Et la terminaison de Sin, en fait, c'est une terminaison de noblesse, c'est-à-dire qui désigne son origine noble. En effet, il est fils de Netzahualpilsinsli, roi de Texcoco, qui est lui à son tour fils du roi Netzahualcoyotl. Il est aussi de côté de sa maman, fils de la reine Tlacayehuatzin et descendant de Moctezuma. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un d'origine noble, mais en même temps qui était très modeste. Il appartient à la tribu Chichimeca, et dans cette tribu, et c'est aussi commun avec l'ensemble, les liens familiaux sont très forts, et ils le sont toujours. Et ils sont aussi, c'est un peuple avec une grande sensibilité et une grande affectivité. Ils vont utiliser beaucoup de diminutifs et des mots affectueux. Ça l'est encore. Tout est petit, petit maman, petit papa, tout est petit au Mexique. C'est encore un élément qui reste, ce côté très affectif. L'éducation est rigoureuse. Ils n'hésitent pas à discipliner leurs enfants pour leur apprendre le respect, la modestie et l'humilité. Et c'est l'éducation que Juan Diego va recevoir. Et justement, cette manière d'être éduqué, cela transparaîtra tout à l'heure quand on écoutera la manière par laquelle il s'est adressé à la Vierge Marie. Alors, sa première apparition, c'est le samedi 9. Excusez-moi, j'ai oublié de traduire ces slides, mais c'est samedi, dimanche, lundi et mardi. Et on est en décembre 1531. Alors, le samedi, c'est la première apparition de Marie à Juan Diego. Et ensuite, et le mardi, c'est le jour, c'est-à-dire demain, le 12 décembre, c'est le jour où l'image de Marie a été peinte, a été imprimée, voilà, l'apparition de son image. Alors, le récit que je vais vous lire dans un instant, c'est le Nican Mopowa. En Nahuatl, c'est la langue qui parlait Juan Diego, elle veut dire « voici le récit ». Et ces écrits, en fait, il y a eu une transmission orale pendant 30 années, et en 1560, ce récit, Nican Mopowa, elle a été écrite par Antonio Valeriano, qui était un parent de la parentèle de Juan Diego. Et il écrit en langue nahuatl. Alors il faut se dire que Marie, elle a toujours parlé la langue des Indiens.
Les seuls mots qu'elle a prononcés en espagnol, c'est le prénom de baptême de Juan Diego. Parce que son prénom de baptême est Juan Diego, bah c'est ça, c'est les Espagnols baptisés avec déjà un nom espagnol. Ce récit, il est conservé dans la bibliothèque Lenox à New York. Et alors, le nahuatl, c'est une langue qui se caractérise par sa poésie. Et cette poésie, c'est du langage très symbolique, on l'entendra aussi pendant dans le récit qu'elle fera et la manière par laquelle il s'adresse à Marie. Alors, allons au message. Ça va jusque-là? Si vous avez des questions, vous pouvez aussi m'interrompre. Il n'y a aucun problème. Ça va? Dix ans après la conquête de la ville de Mexico, alors que l'on avait enfin déposé les flèches, les boucliers et que la paix régnait partout entre les peuples, et que de même, la foi et la connaissance de celui par qui on vit, le vrai Dieu avait jailli, déjà verdoyé et ouvrait sa corolle. Donc, à cette époque, en l'an 1531, au début du mois de décembre, un indigène, un pauvre homme du peuple qui s'appelait Juan Diego, venait à la recherche de Dieu et de ses commandements, c'est-à-dire le catéchisme. C'était un samedi, très tôt le matin. En arrivant près de la petite montagne appelée Tepeyac, le jour pointait déjà. Il entendit chanter là-haut sur la colline comme un chant. Attendez, je me suis perdu. Comme un chant provenant de multiples oiseaux de grand prix. Et quand il s'arrêtait de chanter, il semblait que la colline elle-même leur répondait avec des chants incroyablement doux, captivants, surpassant le chant de Coyol Tol Tol ou celui de Tsinitskan ou celui d'autres oiseaux de grande classe. Juan Diego s'arrêta pour regarder. Il se demanda, par quel hasard serais-je digne, mériterais-je d'écouter ce que j'entends? Ne serais-je pas en train de rêver? Est-ce que je le vis comme entre deux rêves? Où suis-je? Où est-ce que je me trouve? Ne serais-je pas par hasard en cet endroit dont nous parlent nos ancêtres, nos grands-parents, la terre des fleurs, la terre du maïs, de notre chair, de notre subsistance, ou peut-être en la terre céleste? Il regarda là-haut, en direction du sommet de la petite montagne d'où le soleil s'élève, d'où provenait ce précieux chant céleste. Quand le chant s'arrêta tout d'un coup, quand il ne l'entendit plus, alors il entendit qu'on l'appelait depuis le sommet de la colline et qu'on lui disait Juanito, Juan Dieguito. Alors, littéralement, c'est Juan Tsin, Juan Diego Tsin. Vous voyez, il respecte la particule de son origine noble, mais il utilise toujours son nom de baptême. Aussitôt, il osa aller là où on l'appelait. Pas la moindre inquiétude n'agitait son cœur. Rien ne l'altérait. Bien au contraire, il se sentait extrêmement gai et content. Et il grimpa ainsi la petite montagne pour découvrir d'où on l'appelait. En arrivant au sommet de la colline, il vit une jeune fille qui se tenait là, debout, et l'appela pour qu'il se rapproche d'elle. Quand il arriva près d'elle, il admira avec émerveillement combien sa grandeur parfaite surpassait de loin de ce qu'il y avait de plus beau. Son vêtement brillait comme le soleil, comme s'il le réverbérait. La pierre, le rocher sur lequel elle se tenait,
semblait lancer des éclairs, et quant à elle, son éclat ressemblait à celui des pierres précieuses, semblable à celui d'un bracelet, ce qu'il y a de plus beau. La terre brillait avec la même splendeur que celle d'un arc-en-ciel irradiant dans la brume. Les arbustes, les cactus et autres petites herbes qui poussent dans ce coin ressemblaient à des émeraudes. Leur feuillage se voyait pareil à des turquoises. Leurs troncs, leurs épines brillaient comme de l'or. En sa présence, il se prosterna. Il écouta son souffle, sa parole, qui était au plus haut point glorifiant, extrêmement affable, comme celui de quelqu'un qui l'attirait et l'estimait beaucoup. Elle lui dit, « Écoute, mon fils, le plus petit, Juanito, où vas-tu ? » Il lui dit, « Madame, ma reine, ma petite fille, je vais aller à ta petite maison, à Mexico, Tlatelolco, pour y apprendre les choses de Dieu que l'on nous donne là-bas, que nous enseignent ceux qui sont les images de notre Seigneur, nos prêtres. » Et tout de suite, dans ce dialogue qu'elle a avec lui, elle lui révèle sa volonté précieuse. Elle lui dit, « Sache-le bien, accueille-le comme vérité, mon fils le plus petit, que je suis la parfaite, toujours Vierge Sainte Marie, Mère du vrai Dieu par qui on vit, le Créateur des personnes, le propriétaire de ce qui est proche et lointain, Maître du ciel, Maître de la terre. Et je souhaite, je désire vraiment, ardemment, qu'on enlève ici ma petite maison sacrée, où je le montrerai et je l'exalterai en le révélant. Je le donnerai aux gens dans tout mon amour, en mon regard de compassion, en mon aide personnifiée, en mon salut, parce qu'en vérité, je suis votre mère compatissante, la tienne et celle de tous les hommes qui en cette terre est un, et de toutes les diverses races d'hommes, ceux qui m'aiment, ceux qui crient vers moi, ceux qui me cherchent, ceux qui se confient en moi, parce qu'ici j'écouterai leurs pleurs, leurs tristesses, pour y remédier, pour guérir toutes leurs différentes peines, leurs misères, leurs douleurs, et pour réaliser ce que souhaite mon regard miséricordieux et compatissant. Va au palais de l'évêque de Mexico et tu lui diras que je t'envoie pour lui révéler combien je désire qu'en ce lieu il m'offre une maison, il me construise un temple dans la plaine. Tu lui raconteras tout ce que tu as vu et admiré et ce que tu as écouté. Et sois assuré que je t'en serai très reconnaissante et que je te le paierai, que pour cela je t'enrichirai, je te glorifierai. Tu mériteras que je te récompense de ta fatigue, de ton service, en allant solliciter cette affaire auprès de qui je t'envoie. Tu as écouté, mon fils le plus petit, mon souffle, ma parole. Va et fais tout ce que tu peux. Immédiatement, en sa présence, il se prosterna et lui dit, « Madame, ma petite fille, je veux réaliser ton vénérable souffle, ta parole vénérable. Et maintenant, je me sépare de toi, moi, ton pauvre petit Indien. » Et aussitôt, il descendit de la colline pour mettre en œuvre la mission dont il était chargé. Il prit l'allée qui l'emmenait directement à Mexico. Quand il entra à l'intérieur de la cité, il alla tout droit au palais de l'évêque qui venait d'arriver il y a bien peu. C'était le gouverneur des prêtres. Son nom, Don Fray Juan de Zumárraga, prêtre de l'ordre de Saint-François. En arrivant, il essaya aussitôt de le voir.
suppliant ses serviteurs, ses assistants, pour qu'ils aillent le lui dire. Après une longue attente, quand le Seigneur évêque donna l'ordre de le faire entrer, on vint l'appeler. En entrant, il s'agenouilla aussitôt devant lui. Il se prosterna et ensuite il lui révéla, il lui transmit le souffle précieux, la précieuse parole de la Reine du Ciel, son message. Et aussi, il lui raconta tout ce qu'il avait admiré, tout ce qu'il avait vu et entendu. Et ayant écouté tout son récit, son message, il semble qu'il n'y crut guère. Il lui répondit en disant, « Mon fils, tu viendras une autre fois et je t'écouterai avec plus de patience. Et j'examinerai et je considérerai la raison pour laquelle tu es venu, ta volonté, ton désir. » Il sortit, il était triste parce que sa mission ne s'était pas réalisée tout de suite. À la fin du jour, il prit le chemin de retour et se dirigea directement au sommet de la colline. Il eut la joie de revoir la Reine du Ciel, en ce même endroit où elle lui était apparue la première fois, elle l'attendait. En la voyant, il se prosterna face contre terre et lui dit, « Ma petite patronne, madame, ma reine, ma plus petite fille, jeune fille, je suis allé là où tu m'as envoyé pour accomplir ton aimable souffle, ton aimable parole. » Difficilement, je suis entré dans le lieu où habite le gouverneur des prêtres. Je l'ai vu, je lui ai transmis ton souffle, ta parole comme tu me l'as demandé. Il m'a reçu aimablement et il a écouté parfaitement. Et de la manière dont il m'a répondu, il semblerait qu'il n'ait pas compris, qu'il n'y ait pas cru. Il m'a dit, tu viendras une autre fois et avec calme, je t'écouterai. J'examinerai dès le début ce pourquoi tu es venu, ton désir, ta volonté. Et j'ai bien vu quand il m'a répondu qu'il pensait que la maison que tu désires qu'il te fasse ici, je l'avais inventée, ou que cela ne venait peut-être pas de tes lèvres. Vraiment, je te supplie, madame, reine, ma petite jeune fille, que tu demandes plutôt à un de ces nobles estimés, qu'il soit connu, respecté, honoré, et que tu le charges de mener à bien ton aimable souffle, ton aimable parole, pour qu'il soit cru. » La parfaite Vierge, digne d'honneur et de vénération, lui répondit, « Écoute, toi, le plus petit de mes fils, crois bien que je ne manque ni de serviteurs ni de messagers qui puissent se charger de transmettre mon souffle, ma parole, pour qu'ils accomplissent ma volonté. Mais il est absolument nécessaire que toi, personnellement, tu ailles, que tu supplies, que par ton intercession se réalise ce et se mène à bien mon désir, ma volonté. Et je te supplie grandement, mon fils le plus petit, et avec rigueur je te donne l'ordre d'aller voir l'évêque demain, une fois de plus. Fais-lui savoir de ma part, fais-lui entendre ma volonté, mon désir, pour qu'il réalise et fasse ici mon temple que je lui demande, et dis-lui bien de nouveau de quelle manière je t'envoie, moi, personnellement, la toujours Vierge Marie, moi, la Mère de Dieu. » Et il s'en alla à sa maison pour se reposer. Le jour suivant, dimanche, alors qu'il faisait encore nuit, tout était encore obscur, il sortit de sa maison et se dirigea droit à Tlatelolco, pour aller étudier tout ce qui concerne les affaires de Dieu et être pointé sur la liste. Ensuite, il alla voir le Seigneur évêque. Il était environ 10 heures quand il fut prêt. Il avait suivi la messe, répondu à la liste d'appels et la foule s'était dispersée. Juan Diego alla aussitôt au palais du Seigneur évêque. Quand il arriva, il fit tout son possible pour le rencontrer et après beaucoup d'efforts, il le vit de nouveau. Il s'agenouilla à ses pieds, il pleura et devint tout triste en lui parlant et en lui révélant la parole, le souffle de la Reine du Ciel. Le gouverneur évêque lui dit que cela ne se réalisera pas sur sa seule parole, sur sa seule demande, qu'il était fort nécessaire d'obtenir un autre signe pour croire
qu'il était l'envoyé de la reine du ciel en personne. Le jour suivant, lundi, alors que Juan Diego devait apporter un signe pour être cru, il ne retourna pas sur la colline, car lorsqu'il vint à sa maison, un de ses oncles du nom de Juan Bernardino était tombé gravement malade. Il partit chercher un médecin, il s'occupa de lui, mais il était déjà trop tard. Son état était très grave. Et quand la nuit tomba, son oncle le supplia qu'à la pointe du jour, quand il ferait encore nuit, il aille là-bas appeler un des prêtres de Tlatelolco pour qu'il puisse le confesser. Et le mardi, alors qu'il faisait encore bien nuit, Juan Diego sortit de sa maison pour aller chercher le prêtre à Tlatelolco. Elle, la Vierge Marie, le vit alors qu'il descendait de la colline. Et elle court à sa rencontre. Que rien d'autre ne t'afflige, ne te trouble, que la maladie de ton oncle ne te tourmente pas, car maintenant il ne mourra pas de cette maladie. Sois certain qu'il est bien à présent. Et en cet instant, son oncle guérit, comme plus tard il apprit. Et la reine du ciel lui ordonna de grimper au sommet de la colline, là où il l'avait vue auparavant. Elle lui dit, « Mon fils, le plus petit, monte au sommet de la colline où tu m'as vu, et là où je t'ai donné mes ordres. Là tu verras qu'il y a une variété de fleurs. Coupe-les, réunis-les, rassemble-les, et ensuite redescends et apporte-les-moi ici. » En ma présence. Et Juan Diego se mit aussitôt à grimper la colline. Quand il arriva au sommet, il admira la grande variété de fleurs épanouies, aux corolles ouvertes, belles et précieuses, alors que ce n'était pas leur saison. Il redescendit ensuite pour emmener à l'enfant céleste les différentes fleurs qu'il avait cueillies. Et quand elle les vit, elle les prit entre ses vénérables mains. Ensuite, elle les remit tout ensemble dans le creux de son poncho, et lui dit, « Mon enfant, le plus petit, toutes ces fleurs sont la preuve, le signe que tu porteras à l'évêque. Tu lui diras de ma part qu'il voit en elle mon désir et que par cela, il réalise mon vouloir et ma volonté. » Je fais une petite pause pour vous dire que l'évêque, il venait de la Castille et le signe qu'elle avait pensé dans sa tête, Juan Diego, ça ce n'était pas écrit, en fait Juan Diego lui a demandé quel est le signe que vous voulez pour la Vierge Marie, et l'évêque lui dit elle le saura. Et en fait lui il venait de la Castille, et les roses que Juan Diego cueille, ce sont des roses de Castille. Quand il arriva au palais de l'évêque, le concierge et les autres serviteurs du gouverneur des prêtres vinrent à sa rencontre. Il les supplia de lui dire qu'il souhaitait le rencontrer, mais aucun ne voulut. Il faisait semblant de ne pas comprendre, peut-être était-ce parce qu'il faisait encore nuit. Quand Juan Diego vit qu'il ne pouvait plus leur cacher ce qu'il portait et qu'ils l'empoignèrent et même le frappèrent, il leur fit entrevoir alors qu'il s'agissait de fleurs. Et le gouverneur évêque, dès qu'il les entendit, compris qu'il s'agissait de la preuve qu'il attendait pour le convaincre de mettre en œuvre ce que lui demandait ce pauvre homme. Juan Diego lui dit, « Monseigneur, gouverneur, j'ai mené à bien ce que tu m'as ordonné. Je suis allé dire à la dame, ma maîtresse, l'enfant céleste, Sainte Marie, l'aimable mère de Dieu, que tu demandais une preuve pour pouvoir me croire. Elle m'envoya au sommet de la colline où je l'avais vu auparavant, pour que je cueille diverses roses de Castille. » Et aussitôt, il étendit son blanc poncho, dans le creux duquel il avait déposé les fleurs. Et au moment où toutes les fleurs précieuses tombaient à terre, le poncho se transforma en signe ici même, car tout d'un coup apparut l'aimable image de la parfaite Vierge Sainte Marie, Mère de Dieu, en la forme et aspect qu'on la voit encore aujourd'hui, et qui est conservé maintenant en sa petite maison aimée, dans sa maison sacrée du Tepeyac, et que l'on appelle Guadalupe.
Quand l'évêque gouverneur et tous ceux qui se trouvaient là la virent, ils s'agenouillèrent tous et l'admirèrent profondément. Ils se mirent debout pour la voir. Ils se remplirent de tristesse et s'affligèrent le cœur lourd. L'évêque gouverneur, en larmes, avec tristesse, le supplia. Il lui demanda pardon de ne pas avoir réalisé aussitôt sa volonté, son vénérable souffle, sa vénérable parole. Quand il se leva, il ôta le poncho, le vêtement de Juan Diego sur lequel elle était apparue et où s'était transformé en signe la reine céleste. Et de là, il l'emmena et l'installa dans son oratoire. Et Juan Diego passa encore un jour dans la maison de l'évêque qui le retint encore. Le jour suivant, le gouverneur lui dit « Eh bien, allons ensemble pour que tu nous montres où la reine du ciel désire que l'on érige son temple. » Aussitôt, on invita des gens pour le construire, et Juan Diego, quand il le montrait où la dame du ciel lui avait ordonné de lui édifier sa petite maison sacrée, demanda une permission. Il voulait aller chez lui pour voir son oncle Juan Bernardino qui était au plus mal, quand il l'avait laissé, pour aller appeler un prêtre à Tlatelolco, afin qu'il puisse se confesser et se préparer, et qui, selon la reine du ciel, était déjà guéri. Mais ils ne le laissèrent pas s'en aller seul, et ils l'accompagnèrent à sa maison. En arrivant, ils virent que son oncle était guéri et n'avait plus aucune douleur. Et lui, de son côté, admira la forme en laquelle son neveu était accompagné et honoré. Il demanda à son neveu la raison pour laquelle il était tant honoré. Il lui raconta comment la dame du ciel lui était apparue sur le Tepeyac alors qu'il était parti chercher un prêtre pour le confesser et le préparer, comment elle l'avait envoyé à Mexico pour voir le gouverneur évêque afin qu'il lui construise une maison sur le Tepeyac. Et elle lui avait dit de ne pas être triste car son oncle était déjà heureux. Et grâce à ses paroles, il avait été très consolé. Son oncle lui répondit que c'était vrai, qu'à ce moment précis, elle avait guéri et qu'il avait vu exactement de la même façon qu'elle était apparue à son neveu. Il lui dit qu'à lui aussi, elle lui avait demandé d'aller à Mexico pour voir l'évêque. Et quand il le verrait, qu'il lui révèle absolument tout, qu'il lui raconte tout ce qu'il avait vu à la et la manière merveilleuse par laquelle il avait été guéri. Et qu'il serait bien de donner ce nom et d'appeler aussi son aimable image, la parfaite Vierge, Sainte Marie de Guadalupe. Par la suite, ils emmenèrent Juan Bernardino en présence du gouverneur évêque pour qu'il puisse lui parler et lui donner son témoignage. Et l'évêque lui offrit l'hospitalité avec son neveu Juan Diego durant quelques jours, pendant que s'érigeait la petite maison sacrée de l'enfant reine sur le Tepeyac où elle s'était montrée à Juan Diego. Le Seigneur évêque fit translater l'image aimée de l'aimable enfant céleste à l'église majeure. Il la sortit de son palais, de son oratoire où elle se trouvait, pour que tous puissent voir et admirer son image aimée. Et absolument toute la ville, sans qu'une seule personne ne manque, s'émut en voyant et contemplant son image précieuse. Ils venaient reconnaître son caractère divin. Ils venaient lui présenter leurs prières. Beaucoup admirèrent la manière miraculeuse par laquelle elle était apparue, puisque absolument aucun homme de la terre n'avait peint son image aimée. Voilà, Joseph. Ceci, c'est le récit. Il n'est pas complet, il y a eu juste quelques passages qui ont été omis, mais c'est la traduction la plus fidèle. Maintenant, je vais vous parler de quelques éléments ça, je pense que je ne sais pas si ça a été dit. Oui. Alors, c'est une des paroles qui n'ont pas été traduites dans cette traduction française. C'est Marie quand Juan Diego est stressé par rapport à la maladie de son oncle.
Écoute, le plus petit de mes enfants, garde ceci bien en ton cœur, que ton visage ne se trouble point, ni ton cœur, n'aie pas peur. Sache que c'est rien de ce qui t'inquiète. Ne suis-je pas ici, moi qui suis ta mère? N'es-tu pas sous mon ombre et protection? Ne suis-je pas la source de ta joie? N'es-tu pas sous mon manteau, au creux de mes bras? As-tu quelqu'un autre besoin? Quelque autre besoin? Donc, vous voyez le langage très affectif. Marie, elle reprend exactement la manière de parler de Juan Diego et de la langue nahuatl, avec toute la richesse et les symboles et les images. Alors maintenant, quelques mots par rapport à l'image. Guadalupe est le nom qui a été donné. Mais en fait, Marie n'a pas dit Guadalupe, elle a dit Cuatlatzupe, parce que c'est toujours en nahuatl qu'elle parlait. Or, pour les Espagnols, Guadalupe, c'était déjà un sanctuaire marial. Donc, quand les Espagnols ils ont entendu Cuatlatzupe, ils ont compris Guadalupe. Donc, les Espagnols, ils étaient contents, ils se disaient, bah oui, c'est Marie. Et pour les Aztèques, Cuatlatzupe, ça veut dire celle qui écrase le serpent. Donc aussi, ça venait confirmer, disons, l'abolition de l'ancien rite païen. Parce que le serpent aussi était un des représentations des divinités aztèques pour lesquelles étaient les sacrifices humains. Et celle qui écrase le serpent, nous l'avons entendu la première lecture d'aujourd'hui, c'est l'Apocalypse. Bon, il y a l'image avec le soleil derrière et aussi celle qui écrasera le serpent. Alors, l'image, c'est justement reprendre toute le récit de l'Apocalypse avec le soleil derrière, enveloppé du manteau des étoiles, du ciel. Sa robe de couleur plutôt chair représente surtout la terre. Et nous dessus, on verra pourquoi, parce qu'il y a tout un symbolique aussi par rapport aux motifs qui sont sur le vêtement, la lune et l'ange. Alors, si vous vous rappelez, l'ange, c'est une personne qui, vous voyez, là, il a comme des entrées, en fait, c'est qu'il a perdu, comme si c'était une personne âgée. Les Espagnols, puisqu'ils estimaient que ça ne ressemblait pas à un enfant, ils ont essayé de peindre du cheveu là pour effacer les entrées. Mais en fait, la peinture est partie parce qu'effectivement, ça part. Parce que en fait, c'est Juan Diego qui est représenté là. Là, vous voyez qu'il est ailé, donc c'est aussi l'aigle qui parle. C'est la signification du nom de Juan Diego. Cuauhtlatlatzin. Donc c'est Juan Diego qui est le messager, et si vous regardez bien sur la droite, il a le ciel d'une main, et sur l'autre main il a la robe qui représente la terre. Donc là, ça veut dire que le message vient du ciel vers la terre. Alors, par rapport à la symbolique sur les... Alors, le petit carré, il s'est décalé. Normalement, le carré, il doit être plein dans le ventre, parce que Marie est enceinte. Ah non, pardon. Là, c'est effectivement, c'est la fleur cœur. Et en fait, ces fleurs, ça représente les cœurs. Et en fait, c'est pour dire que Marie veut que nous lui offrons nos cœurs, mais sans les arracher, mais que nous lui offrons les cœurs spirituellement. On voit le pied de Marie qui est posé au milieu de la lune. Mexique veut dire en nahuatl au centre de la lune ou au milieu de la lune. Donc ça aussi, l'image veut dire aussi une coordonnée géographique. Alors la symbolique qui est sur le ventre de Marie, à la place de son utérus, c'est le symbole du cinquième soleil. Et pour les Aztèques et les Mayas, c'était le centre de l'univers.
Donc c'est très symbolique. Ça, les Indiens, en regardant ces symboles, en fait, sur l'image de Marie, ils ont bien compris qu'il s'agit de Dieu, que Marie, elle est enceinte et que son enfant est Dieu. Alors, suite à cela, justement, toute cette code, en fait, qui a eu beaucoup, beaucoup de conversions, là où les missionnaires peinaient à convertir, il y a eu beaucoup de méfiance par rapport aux Espagnols. Là, il y a eu un symbole très fort où Marie, en parlant leur langue et aussi par un langage visuel très fort, très explicite, bah, ça a débloqué les conversions au christianisme. Et aujourd'hui, bon, il y a eu une première basilique qui a été construite au pied de la colline du Tepeyac. Et ensuite, devant cette basilique, une nouvelle basilique a été construite où 20 millions de pèlerins se rendent chaque année. Alors, la science n'arrive pas à expliquer pourquoi ce matériel, c'est-à-dire le tissu du poncho de Juan Diego, ne se décompose pas. Normalement, il dure 50 années. Mais là, ça fait plus de 4 siècles qu'il est intact, qu'il ne se décompose pas. Et la peinture, non, enfin, l'image non plus ne subit pas de dégradation. Alors, Richard Kuhn, qui est prix Nobel en chimie en 1938, il a analysé les pigments, ou ce qui sont censés être les pigments de l'image, et ben, il n'arrive pas à l'expliquer. Il affirme que ce n'est ni d'origine minérale, ni végétale, ni animale. Donc, c'est inexplicable. Miguel Mateo, c'est un grand peintre, celui qui a un peintre mexicain qui était assez connu à l'époque, au XVIIe siècle. C'est lui qui a peint aussi l'image de Juan Diego que vous voyez. Lui, il affirme que l'image de Marie, elle comporte en elle-même 4 styles de peinture. Al óleo, al fresco, l'aquarella et al temple. Moi, je ne pourrais pas les traduire en français, mais 4 styles de peinture. Et alors, ensuite, en 1929, un photographe a fait quelques photographies dans l'œil de Marie. Et en fait, en agrandissant, il a découvert le visage de Juan Diego, qui était représenté sur l'œil de Marie. Et en fait, l'œil de Marie, c'est l'œil droit. Là, il y a Juan Diego, et derrière, il y a l'évêque, on voit sa mitre. Et alors, ça, c'est la première chose. Ensuite, en 1980, il y a eu encore d'agrandissement de cette image. Et si on agrandit 2500 fois, on a découvert 12 personnages dans ses yeux. Alors, dans ses yeux, il y a bien sûr Juan Diego, mais il y a aussi une famille que nous croyons elle était présente aussi. Et ces 12 personnages, ils sont en train de dire qui pourrait bien être. Bien sûr qu'il y a l'évêque. Et il y a aussi peut-être une famille indienne qui était là, qui était aussi une aide domestique pour l'évêque, c'est aussi probable. Donc ça, c'est encore des choses que la science est très surprise de trouver. Il y a eu de l'acide qui est tombé sur le tissu et il s'est aussi régénéré de manière miraculeuse. Les étoiles sur le manteau correspondent à la date d'impression de l'image, le 12 décembre 1531, mais non comme si on le regardait, mais comme si Dieu le regardait donc inversé. Donc, vous voyez, il y a des coordonnées géographiques, temporelles, et un grand code de. Aussi, l'image répond à la règle d'or des proportions.
Et voilà la conclusion de la science, que c'est Dieu qui est le patron. En avril en 2007, nous avons eu la dépénalisation de l'avortement seulement dans la ville de Mexico. Et à ce moment-là, l'image s'est obscurcie et le ventre s'est illuminé. C'est un message très fort pour nous rappeler de la dignité de toute vie humaine. Donc là, nous avons Jésus, embryon, Jésus fœtus dans le ventre de sa mère. Et depuis, on prie Marie sous son vocable de Guadalupe comme patronne des enfants dans le sein maternel. Là, ici, c'est une image de l'actuelle basilique. L'inscription que vous voyez ici, hop, j'arrive pas à la voir. Cette écriture, elle dit: Ne suis-je pas ici qui je suis, ne suis-je pas ici moi qui suis ta mère. Donc, c'est pour rappeler que Marie est notre mère et que nos vies la concerne et qu'elle ne nous quitte pas de ses yeux. Ça, c'est l'intérieur. Et son image qui est exposée au centre de la basilique. Alors voilà, j'avais proposé d'entonner un petit hymne, l'hymne guadalupano. Mais avant cela, je ne sais pas si vous avez déjà des questions ou des commentaires. En tout cas, moi, je suis à chaque fois, je suis très touché par cet honneur que nous avons reçu d'avoir avec la présence de Marie. Nous croyons que Marie, elle sera présente dans chacune de ces images. Ça, c'est une certitude, mais la présence avec laquelle elle habite l'image au Mexico, elle défie la science. Il y a d'autres faits que je ne vous ai pas transcrits, c'est que certains médecins ont entendu même le cœur battre. C'est-à-dire qu'ils ont mis un stéthoscope, ils affirment avoir entendu le battement de cœur de Marie. Et aussi, quand ils rapprochent la lumière de l'œil de Marie, il y a des phénomènes de contraction et de la rétine. Et aussi, les yeux répondent c'est un phénomène pupillaire. Alors, il y a des phénomènes de rétine, de l'image inversée qui s'inverse deux, trois fois. Donc les yeux de Marie correspondent aux yeux d'une personne vivante. Aussi, les pigments, ils ne semblent pas toucher la matière, en fait. Quand on regarde de très très près, il semblerait que les pigments flottent sur la surface. Il y a des choses inexplicables, inexplicables, mais... Tout cela, justement, comme à l'évangile de Saint Jean, c'est pour que nous croyions. Pour que nous croyions et que nous grandissions dans la reconnaissance et à l'amour de notre mère. Notre mère qui ne cesse pas de se révéler, non seulement de manière publique, comme à Lourdes, mais aussi à chacun de nous. Elle se révèle elle-même, elle nous révèle son Fils. Et moi, je suis aussi touché de voir le récit de Marie, c'est copieux. Je ne sais pas combien d'apparitions mariales peuvent avoir autant de paroles. Je sais qu'à Lourdes, Marie a parlé à Sainte Bernadette. Et justement, il y a beaucoup de correspondances. Quand elle dit « Je suis l'Immaculée Conception », quand Marie dit que « Je suis la parfaite, toujours vierge », Sainte Marie, est-ce que ça nous indique aussi un petit peu son Immaculée Conception?
Donc voilà, c'est très beau et pour moi c'est un grand trésor et c'est une grande joie de vous la partager. Merci à vous. Oui. Hein? Ah. Oui, récemment, c'est ça? Il n'y a pas longtemps, oui. Un air de musique. Oui, c'est vrai, je n'en ai pas parlé. À l'époque, oui. C'est ça. À l'époque de l'apparition, tout à fait. Oui, les constellations. Ah oui, tout à fait. Oui, et qu'il y a eu une nouvelle. Qu'en 2021, les constellations s'est reproduit exactement comme au moment de l'apparition, c'est ça? Ok, merci pour cet ajout, je n'en étais pas au courant. Non, je ne le savais pas, je n'étais pas au courant, mais je vous remercie. Oui? Il y a juste une question à côté. Non, c'était ponctuellement et en fait, c'était pas du tout relayé dans les médias. Donc, moi, j'ai appris cela ici en France et au Mexique, il y a peu de personnes qui le savent, en fait. La dimension du poncho, vous voyez, là, on peut peut-être regarder un peu. Mais en fait, le poncho, c'est la taille d'une personne humaine. Parce que, en fait, c'était la tilma qu'il avait sur lui, donc les deux côtés. Oui, c'est un petit peu plus grande qu'une personne humaine. C'est vrai. Il ne s'est pas détérioré et c'est vrai que depuis peu, il est protégé en verre. Avant, il n'était pas protégé même pas en verre en fait. Et avec toutes les bougies, les bougies n'ont pas du tout abîmé l'image. Et il y a eu un attentat aussi. Vous en savez énormément. Oui. C'est vrai, il y a eu une explosion à l'hôtel et effectivement l'image est restée intacte. Oui, c'est miraculeux. Alors, ce que j'ai compris, c'est que en fait je vois si je vois l'image. Oui, en fait, c'était par rapport à la longueur des rayons du soleil. En fait, ça donnait comme une trame, une partition. Et c'est les rayons, en jouant sur la longueur des rayons, en fait, et peut-être que aussi les étoiles. Mais moi, j'étais juste au courant du rayonnement derrière, du soleil. Oui. Ils ont utilisé ça. Je vous en prie. Est-ce que vous les connaissez de chanter? Ah oui. Ah, le pape Francis. Merci.
Alors, maintenant, vous connaissez peut-être ces termes, non? De l'hymne guadalupano. Non? On peut l'essayer? Alors, je vous donne le ton. Desde el cielo, una hermosa mañana. Desde el cielo, una hermosa mañana. La Guadalupana bajo el Tepeyac. La Guadalupana bajo el Tepeyac. Oui. Alors, on essaie le deuxième couplet. Juan Dieguito, la Virgen le dijo. Juan Dieguito, la Virgen le dijo. Este cerro elijo, este cerro elijo para hacer mi altar. Este cerro elijo. Este cerro elijo para hacer mi altar. Bien. On essaie le dernier? Alors, je vais chanter le premier et ensuite vous reprenez. D'accord. Alors, je vais vous faire signe quand vous reprenez. En la tilma entre rosas pintadas. En la tilma entre rosas pintadas, su imagen amada, su imagen amada se dignó dejar. Su imagen amada, su imagen amada se dignó dejar. Bravo à vous. Merci. Oui, très bien. Nous allons nous tourner vers Marie et ensemble. Je commençais le je vous salue Marie en espagnol et sinon après on finit avec un je vous salue Marie en français. Oui? Allez. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mexicanos, su porte y su faz. Y eran mexicanos, su porte y su faz.
Es algo